Salut à tous les amis, c'est Platypus et on se retrouve sur le serveur d'iPixel pour une petite partie dans le nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est actuellement en bêta test. Un petit jeu un peu comme Super Smash Bros. Brawl qui était sorti sur Minecraft il y a quelques temps et dans le même principe que je vous ai déjà montré dans la dernière vidéo sur le serveur d'iPixel si vous l'avez regardé. Et je trouve ce jeu très très amusant. Alors là, j'y joue et on a eu la chance en fait de tomber sur une partie parce que la queue d'attente est super longue et parce que du coup beaucoup de gens veulent y jouer et il a un grand succès. Donc là, on est justement en train de tabasser une personne qui n'a pas l'air de connaître très bien le jeu vu qu'il se laisse tabasser. Et je sais pas ce qu'il fout. D'accord, on est en train de le défoncer. Alors. Bon, je parle pas trop parce que du coup, c'est juste de l'action, mais profitez bien du jeu. Si vous êtes VIP, vous avez de la chance aussi de pouvoir le tester. Et là, c'est une chance parce que le jeu est vraiment cool. Comme je vous en ai déjà parlé bien dans la dernière vidéo, mais cette fois-là, on était avec la mortue. On jouait plutôt à d'autres jeux ensemble. Et dire, on est toujours avec la mortue. Effectivement, on est encore avec la mortue. Mais là, on joue pas en même temps que la mortue. Et je galère avec mes touches de clavier. Oh, purée. Il m'énerve, il me prend ça. Non, t'as pas vu moi, parce que moi j'ai toujours joué avec les flèches et j'ai commencé avec ZUSD, mais genre aujourd'hui, tu vois. Donc c'est hyper galère. Mais c'est quand même très bizarre de pas jouer avec ZUSD. Hein. Je veux pas dire. Mais c'est pour ça que je me suis dit, je mettrais FQSD. C'est aujourd'hui, en revenant de la Mélinésia, d'ailleurs, c'était assez cool. Moi j'y ai joué, c'était le deuxième jeu. Et c'était vraiment assez cool. Et en revenant, je me suis dit, je vais me mettre à ZUSD, ça va être. Et du coup, c'était une bonne idée parce que jouer sans ZQSD, je trouve ça horrible. Ah non, moi je trouve ça horrible de jouer avec ZQSD parce que je suis habitué. Je suis en train de me faire défoncer sur du Quidcraft. C'est pas grave, au moins j'apprends. Et du coup, on pourra faire une petite partie de Quidcraft juste après. Je me fais défoncer, c'est normal, j'arrive pas à sprinter, j'arrive pas. Enfin, c'est déjà mieux qu'il y a une demi-heure. En fait. T'arrives pas à sprinter, c'est bien. J'arrive pas à viser, je sais pas. C'est ça peut être. Ok, on est un peu dans une partie totalement YOLO où rien ne se passe. Tiens, mais bouffe ma grand-mère. Pardon. Alors, pour le moment ça va, il me reste un petit peu de vie, quelque chose de raisonnable. Mais ouais, moins que les autres quand même. Hein. Voilà un totem. Oh purée, j'arrive pas à le frapper, je le frappe avec le mauvais bouton. C'est bon. On le tabasse là. Et purée, ils ont un totem de soins. Non, ils ont deux totems de soins. Ce qu'on est en train de faire. Ok, là, il bougeait plus le type. Il s'est transformé en vache. Allez, pourquoi j'arrive pas à envoyer le truc? Ok, je l'anime. Lui, en fait, lui, il est assez low life, mais on n'arrive pas à le tuer. Bon, on a quand même pas mal de vie dans le jeu. Il faudrait essayer que j'essaie de m'acheter d'autres skill shops pour. Quoi? Ah d'accord, je me suis pas du tout vu mourir. Et oui, mon avis. Je sais même pas qui c'est. Ah, et bon, ils ont pris le double dégâts donc. Ça, un peu mal, ils ont un totem rouge. Un deuxième totem rouge. Et mon allié est tout seul, du coup, il risque de perdre assez rapidement. Ouais. Bon, on va quand même regarder la fin de la partie. Et il s'en sort, hein, vraiment. Il est toujours vivant. Petite faille, tranquillou. Il est dans le mur. Bon, voilà, il est mort. Bon, pas terrible cette partie. Et on peut sortir. Ouais, vous voyez, donc on peut voir les différentes arènes en fait. On a juste à la dernière seconde aperçu les autres arènes, mais comme je le disais un peu plus tôt, eh bien, il y a très peu d'arènes et du coup on est obligé d'attendre très longtemps avant d'avoir une partie. C'est pour ça que je voulais lancer le record directement parce que j'avais eu la chance de tomber sur une partie. Et mais peut-être que si je l'avais pas record, j'aurais dû attendre 20 minutes avant d'en avoir une autre. C'est vrai que l'autre fois j'étais genre à la place 150 dans la queue de la file d'attente. Du coup, c'était un petit peu nul et je me suis déconnecté, j'étais faire autre chose.
Du coup, maintenant, on va peut-être faire une partie avec, avec la mortue sur quelque chose, une fois qu'il aura fini la sienne. Oui, j'ai fini. Du coup, du Claycraft, du TNT, du... Ouais, n'importe. De toute façon, je vais être nul avec cette... Ok, bon, on va faire du Claycraft un peu. Ouais, je me souviens. Un peu de Claycraft une fois, voilà. J'ai envie de dire une fois. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Belgium, tout le monde parle des Belges qui disent une fois, et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'aucun Belge ne dit une oui, fois. Oui, je suis d'accord. Sauf en le faisant exprès. Genre moi, je fais souvent. Ouais, du coup, là, je l'ai fait exprès. Je vais aller dans le lobby 1 et essayer de te retrouver. On va faire une petite partie. Voilà, je te vois. Poum, poum, poum. À chaque fois, je te vois pas. Mais tu sais qu'avec la cloque, tu peux mettre view none. Ah oui, c'est vrai, je vais faire ça. 50 players, aucun player. Voilà. Comme ça, je vois plus que toi. Ça, c'est cool. Ça fait un peu VIP. En plus, on ne voit que ses potes. Poum, 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 poum. Tiens, regarde, il y a 0, 4, 11, 5, 1. 5, 1, ouais, je suis dedans. 0, très peu de gens l'aiment bien, et pourtant, moi, je la trouve sympathique. Je la trouve plutôt jolie. Surtout qu'en plus, ça donne bien avec mon pack de textures, mais voilà. Et puis, il y a une zone ici, là, où je suis, qui est absolument atroce, et que impossible à jouer, mais... Mais sinon, bah, le reste, ça va, enfin, c'est juste du couloir, quoi. Attendez, juste, ouf, voilà, ça disparaît. De toute façon, je vous l'aurais caché au montage, mais j'avais juste mon icône Skype qui était visible, et comme ça, il est parti. Bon, du coup, là, si je fais un score minable, j'aurais l'air d'être un peu con. Donc, je viens de dire que cette map était super cool et je fais un score tout pourri, mais on va essayer que ça n'arrive pas. Ok, déjà, je tombe sur un méga FK. Ah oui, j'ai toujours la houe de base, il va falloir quand même que je farm pour essayer d'avoir la houe... Une meilleure houe. Ouais, d'autant que moi j'ai la troisième amélioration quand même. Ah oui, quand même. Mal. En fait, ce que je me demande, c'est si on achète le... il me semble que tu me l'avais dit une fois, mais... Ok. J'ai oublié... En fait, si t'achètes le bouton, bah, tu peux choisir la couleur du truc et tout. Parce que moi j'ai un rouge, bah, j'ai jamais acheté de rouge, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc si on achète le bouton, on a quand même direct le truc. Quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est par cool. Contre, je fais vraiment de la merde. Je dis ça au moment où je fais un double kill, mais... Je fais vraiment de la merde, c'est à cause des touches, hein. Ça rend horrible quoi, d'arrêter avec les flèches quand t'es... Mais les flèches, personnellement, je trouve que ça devait vraiment être horrible avec les flèches. Non, moi j'ai toujours été habitué à ça, et en fait c'est vraiment depuis que je suis tout gamin, dès que je joue à des jeux PC, je joue avec les flèches, donc j'ai toujours été habitué à ça, donc quand j'ai commencé Minecraft, ben, j'ai fait ça aussi. En soi, c'est vrai que sur les vieux jeux où tu joues encore, je joue encore sur mon vieux PC et tout, les jeux crack que mes parents m'avaient montré, etc. Tout ça, c'était genre des petits jeux stupides en ZQSD, etc. Genre les vieux Prince of Persia auxquels j'ai un peu regardé, etc. Aussi les mini-jeux d'arcade sur PC, etc. Tout ça se jouait genre avec les flèches, avec des touches. Mais aucun, finalement, se jouait avec ZQSD. Ouais. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais en primaire, et oui, pour la petite histoire, ben, il y avait mardi et jeudi, c'était organisé, c'était un truc jeu vidéo. Oh, purée, ça devait être super cool. C'était génial, évidemment, moi j'y allais à chaque fois, c'est malin. Et il y a vraiment des jeux. Ah, tiens, salut. Il y avait vraiment des. Ah, je t'ai pas eu. Ok, fail. Bon, je vais arrêter de camper là. Ah, oh, purée, voilà. J'aurais dit une seconde plus tôt, j'avais arrêté de camper, je serais pas mort, mais c'est bien malheureux. Purée, une activité jeu vidéo en primaire, ça c'est vraiment le rêve. Le mardi et le jeudi. C'était drôle parce que, genre, le mardi c'était seulement 1, 2, 3, mais du coup, même en 4, 5, 6, j'y allais quand même parce que c'était en What comme, je l'ai raté. Organisait ça, m'aimait bien, bah, elle acceptait que je vienne même les jours où je pouvais pas. Quoi. Mais ça c'est vraiment drôle, tiens, parce que moi quand j'étais en primaire avec mes potes et qu'on jouait. Bah, pour l'info, on jouait à Dark Orbit surtout. Et oui, c'est un jeu très nul, pay to win, mais on jouait quand même à ça. Mais meurs, ok. On jouait à ça, je disais, et bon, on rêvait justement qu'il y ait des cours de ça et tout, enfin, c'était bon, un peu le rêve fou, on savait que ça n'arriverait jamais, avoir des cours moi, sur notre jeu, et puis toi, t'as vraiment ça, que je trouve ça très drôle. Ouais. Tiens, j'aurais jamais cru que ça puisse exister comme ça en primaire, genre, deux jours de la semaine, un cours de jeu vidéo. Oui, c'était pas un cours, c'était vraiment... Ouais, une activité. Oui, c'était sur des vieux PC avec des vieux jeux, et franchement, c'était très cool. Et justement, il y avait un jeu de course, comme ça, et on jouait en ZQSD. Enfin, on jouait avec les flèches, et celui... Enfin, t'avais un peu la personne VIP qui avait le droit de jouer avec les flèches, et puis l'autre qui était obligé de jouer avec ZQSD, parce que c'était en multijoueur, quoi, c'était jusqu'à deux joueurs.
Ah oui, vous étiez sur un clavier. Oui, et on se battait toujours pour pouvoir jouer avec les flèches. Et moi, j'arrivais vraiment pas avec ça. Alors là, je suis vraiment nul à Squidcraftien. Je gère pas du tout. Mais... Ok, ouais, je vais quand même tuer quelqu'un. Je suis ex-aequo. Hein. C'était un quadra ex-aequo à 16. Ce qui est pas mal du tout. Ah, ok. Et puis, ouais, je rate tous mes kills. Y'a un méchant qui est arrivé qui m'a tué. Ok. Là, encore une fois, j'ai shoot 3 fois à côté avant de t'avoir. Ah, tu m'as eu pourtant. Mais je t'ai eu, mais j'ai shoot 3 fois à côté avant. Enfin, je sais pas, je suis en manque total de skill aujourd'hui. On va devoir faire un autre jeu après. Ça va, je commence vraiment à gérer le ZQSD. C'est drôle parce qu'au début, je me dis, oh, je vais jamais y arriver, mec. Ok, j'en ai chopé un. Et là, donc, j'en ai chopé un deuxième. C'est, ouais, il me faudrait vraiment une meilleure roue parce que celle-là, le timing, c'est très handicapant quand même. Surtout que là, quand je rate beaucoup de shoots. Tiens, toi t'es mort, je sais pas, il campe toujours là, on dirait, mais ça paye pas trop. Parce qu'il rate tous ses. Enfin, je suis déjà venu deux fois, je l'ai tué deux fois. Des fois, c'est juste ta technique qui marche contre lui, mais j'ai envie de jouer ça. Tiens, regardez, il est là, lui. Voilà, bye bye. Alors là, je vais encore mourir parce qu'à chaque fois qu'on passe ici, on meurt. Voilà, ouais, parce qu'il y a un campeur devant les escaliers en fait. Qui sont chiants les campeurs sur ce jeu. Par contre, moi je dois avoir l'air un peu triste avec ma houe en bois. C'est vrai que VIP avec une houe en bois, c'est rare. Ouais, c'est un peu triste. Ah, tiens, salut. Tu m'as pas encore tué une seule fois, je t'ai tué 17 fois dans oui, cette vidéo. Ben, oui, pourtant, tu gères bien mieux. Oui, au niveau score, je suis plus haut que toi. Pour ça m'étonne pas. Je vais faire remonter, j'ai l'impression que je fais de la merde là. Il y a Nugget machin. Ah bah ils ont gagné. Purée, j'avais mon curseur sur toi quand la. Ouais, le mec là, Nugget, Sugar machin truc. On s'est raté mutuellement. Oui, Sugar Nugget. Voilà. Mais il est quand même devant toi. Eh purée, on est tous les trois ex-aequo. Ouais, bah oui, c'était une partie ex-aequo. Ça va, j'ai pas été moins bon que toi. Ça fait plaisir. Du coup, ça te dit pas un autre jeu, tiens. Un jeu qu'on fait pas souvent. Oh, un Vampire Z. Ah non, j'aime pas. Et bah, bon, du coup, on va faire autre chose. Survival, bah, les TNT trucs, là, c'est cool. T'aimes pas les TNT trucs non plus? Ouais, allez. De toute façon, il y en a plein que j'aime pas. Ça, ah ouais, tu préfères lequel, les deux? TNT Games. Allez, lobby, hein. Ok, ouais, lobby 1. Maintenant, il y a de plus en plus de lobby depuis que le serveur devient hyper, hyper renommé. Tiens, je te vois. Alors, les VIP plus sont vus même quand ils sont effacés. Alors, on va rejoindre un petit truc. Boum, boum, boum. Tiens, le 2-0, tu le vois? Ah non, on peut plus. C'est juste VIP. On va essayer de se faire un TNT tag, le 6-1. 6-1, ouais. Je rentre à chaque fois après toi pour être sûr. Ah, chouette, c'est la map bien en plus. Tu sais, c'est la map avec des biomes et tout. Je connais pas du tout. Oui. C'est quoi ce TNT tag? Ouais, bah oui, c'est l'espèce de touche-touche. Je sais pas comment vous appelez ça en France. Je crois que ça s'appelle touche-touche. Mais je sais pas, il y a des noms différents comme ça. Parfois, ça m'a surpris. Des jeux, tu sais, qui s'appellent. Enfin, là, j'ai plus aucun jeu en tête, mais quand j'étais en primaire, il y avait plein de jeux qu'on faisait. Puis, ouais, regarde, tu vois, c'est ma map, mais t'as déjà joué avec moi. Je l'avais déjà joué, oui. C'est la meilleure map de toutes. J'étais en train d'essayer de frapper des types. Ok, il y a un TNT man derrière moi, il m'agresse pas. C'est bien drôle. Ah merde, il y a un TNT man là. Oh, je suis dans le caca. Oups. je suis pas pour toi. Ouah, avec ZQ. Ah oui, ah, du coup, tu risques de galérer avec ça, le petit chenapan. Non, je suis tombé dans un trou. Sérieux. Mais c'est cool, les trous, c'est des espèces de passages secrets. Les TNT Man, ils vont pas souvent. Oui, mais moi, je me trouve coincé dedans, en fait. Et s'il y a un TNT Man qui tombe, j'ai eu de la chance, pour le coup. Mais, putain, je galère vraiment trop, quoi, avec ZQSD. Frigel aussi, il dit pour le coup. Merci de me comparer à Frigel. Ouais, c'est un peu dommage pour toi, mais... Je suis désolé, mais j'ai remarqué que dans ses vidéos, il disait tout le temps pour le coup. Mince, j'ai raté. Je sais pas d'où ça lui sort. Oh non! Ah, ils sont tous. J'ai encore blown! Ah, tu étais! Je suis vraiment nul à ce jeu. Il reste 18 joueurs. 18 petits joueurs, mon cher. Puis t'as dû me voir passer, j'avais la TNT en main et j'ai tapé à côté. Oui, mais en fait, il y avait genre 3-4 TNT Man qui se suivaient. Et puis les 3-4 ont explosé et moi j'ai eu de la chance. Et toi, t'es passé entre les coups. Surtout moi qui, genre, je suis sûr qu'avec les flèches, j'aurais réussi à te mettre le coup, mais là. Mais je trouve pas les passages secrets. Ils sont où les purées de passages secrets? Et c'est ah merde, un TNT Man. Eh, y'a des gens, purée. Les mecs,
Les mecs genre non, non je ne campe pas là en haut, non, mais sale. Ok, voilà, c'est bon. Ok. Oh purée, ils sont combien? Ils sont combien? Mais prends la TNT. Ok, c'est bon, je lui ai mis la TNT. Au secours, maintenant on se casse. Il reste 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. What? Le mec me l'a mis à la dernière seconde, ça me fait. Ah ouais, ça me fait vraiment, mais. Vraiment, ça me met les boules, voilà. Parce que pour ne pas dire de jeu de mots, ça me fout les boules, le mec. Allez, la dernière seconde que ça me. Ah, sale type. Bon, du coup, on va faire slash lobby, on va faire une autre parce qu'on va pas rester là à regarder. Alors, sauf si tu veux faire un autre jeu. Oh, comme tu veux, écoute. Qu'est-ce qu'ils ont, tiens les... The Walls, mais ça c'est long. En soi, on est à 15 minutes d'épisode, on va pas faire The Walls. Mega Walls. Quickcraft. Bon, on peut continuer du Quickcraft. Ah oui. Lobby 1, je sais pas pourquoi je ne suis jamais dans le lobby 1. Non, mais c'est normal, sinon tous les gens se resteraient dans le lobby 1. Ouais, mais parfois tu pourrais aller dans le lobby 1, juste sans faire exprès. Ah, t'es là. Alors, Dixite. Cette map est atroce. Ouais, c'est, elle est dure à jouer. Tiens, on va essayer la 0-1 Apex. Ah, purée, c'est de l'autre côté. 0-0-0-0-0-1, oui. Ouais, c'est bon, t'es dedans. J'ai cru que j'avais cliqué à côté. C'est pas sur celle-ci. Il y a une autre map où j'ai un bon petit spot de camp que je vous avais montré dans la vidéo FAQ. Ah, mais ça, c'est beau, tiens. Mmh. Un YouTuber qui monte des spots de camp, bah c'est... Bah, non, ça, c'est du beau. C'est un spot de temporisation. Voilà. Non mais franchement ça marche bien, il y a 3 points de spawn et tu peux aisément les shoot tous les 5, enfin tous les 3. Et les gens ils tourneront presque jamais. Alors cette map, je la joue presque jamais. Ah oui, en plus je suis assez mauvais dans cette map, parce qu'il y a un endroit où je meurs à chaque fois, parce qu'il y a un endroit où il y a tout le monde au milieu et je meurs tout le temps. Voilà, ici. Oh zut. Je t'ai raté. Mais non! Ok, je sens que cette map va me faire rager. Je le sens. Entre les milliards de campeurs qui campent au milieu et entre moi qui n'arrive pas à tuer la mortue. Voilà. Le petit campeur qui m'a tué. Ok, on va essayer de pas rager. Ça, c'était super con. Mais je l'ai tué. Avec mes chou. Tué. Tu vois, c'est l'endroit horrible, tu meurs d'office quand tu vois. Bonjour, il n'y a personne. Même pas un petit campeur ici, tiens. Ils ont surtout été pop par quelqu'un. Bonjour, je ne bouge pas. Bon, je vais essayer de pas camper non plus, ça serait le coup. Ok. Ok, je le tue pas. Bonjour, moi non plus je ne bouge pas et j'arrive à le rater. Le type ne bouge pas. Ah oui, ça m'arrive souvent, c'est un mec qui bouge pas et j'arrive à le rater. Oui, le type ne bougeait pas, j'ai tiré à côté. Ça m'arrive très souvent. Tiens, regarde, lui il est mort. Ok, je lead pas du tout la game là. Moi aussi je l'ai raté, il bougeait pas. Oh non, mais tue pas toi. C'est bon, je l'ai eu. Ah. J'en ai. Ah, je voulais voir. Shutdown. Ouais, non, j'en ai pas eu. Ok, il ne bouge pas, d'accord. En fait, c'est l'espèce de petit Mexicain comme ça qui bouge pas. Il y a un Mexicain qui ne bouge jamais. Ah, beau chou. C'est là que je l'ai eu au bol. Se faire troller par un Jean-Kevin AFK. C'est quand même grave. j'ai eu de la peine à te tuer. Tu bougeais trop. Moi, je bougeais bizarrement, non? Oui, tu bougeais bizarrement. Mais... Attends, vous êtes QST, je. C'est horrible. What? Il m'a eu à travers le mur, j'ai l'impression. Non, c'est moi qui t'ai vu. Ah, c'est toi. Ok, tu m'as eu par derrière. Ah, oh, le Mexicain AFK qui arrive à me tuer. Quoi? Comment? Ok, le mec qui s'est défoncé. Ah, je suis ex-aequo avec toi, encore une fois. Il y a plein de feux d'artifice qui sortent de cette personne. Bon, du coup, on a 19 minutes d'enregistrement, c'est parfait. En général, c'est de faire des vidéos de 20 minutes. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié.
Le Hypixel, ça vous branche peut-être pas trop, mais bon, c'est détente avec, la mortue, donc. De toute façon, c'est toujours sympa, et puis c'est... On est comme ça, tranquille, et on peut discuter en même temps. Du coup, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous plaît, et pour dire, par exemple, ce qui vous intéresserait, si vous avez un quelconque avis à donner sur les mini-jeux que vous voulez qu'on fasse, ou si vous avez d'autres serveurs intéressants, donnez un commentaire, ni même pour dire si vous avez apprécié, mettez un commentaire. Et si vous avez apprécié, justement, mettez un j'aime, et bien on se retrouve pour une prochaine fois. Au revoir, cher Mortu, au revoir. Tu dois dire au revoir. Oui, j'ai dit au revoir. Ah d'accord, mais en fait j'ai l'impression qu'on t'entendait pas du tout. Du coup, je vais devoir encore une fois monter ton son au montage.